What is this? Okay. Très bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous savez, ma prochaine session d'université va se faire à la maison. Alors, ça m'a fait penser que peut-être je pourrais faire une vidéo d'outfit Working from Home Edition. But, il va y avoir un petit twist to it. J'ai ça passé sur YouTube, ce genre de concept de choisir ses outfits en fonction de comme une thématique-ish, si on pourrait dire. Enfin, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, mais un Working from Home ou genre School from Home Edition. Fait que sans plus tarder, let's start. Bado, il y a juste 4 thèmes parce que Zoom University, il n'y a pas vraiment de tant de thématiques stylistiques, je pense. Puis je suis pas sûre que ce que je viens de dire, ça fait du sens, mais en tout cas. Ok. Ok. Coffee date with myself. Donc, coffee date with myself, by the way, ça peut être juste chez vous. Mettons aller dans un café, même si j'avoue que les cafés sont pas super nice en ce moment parce que quand même, il n'y a pas tant de chaises et de tables disponibles. Ok. Fait moi, quand je pense à coffee date with myself, techniquement, I'm going out de ma maison. Ish. Ou au pire, je vais me chercher un café et je reviens ici. Mais ça voudrait dire que je sortirai de ma maison. On peut dress up a little bit. Ok, est-ce que je suis la seule qui à chaque fois que je vais dans un café, j'ai tellement froid? Ok, je vais avoir deux options pour celle-là parce que vous allez comprendre. Ok, legit, on dirait que je travaille chez Zara présentement. Fait que là, vu qu'on a dit que I was kind of going out of the house pour prendre un café, je me suis dit que j'allais dresser un petit peu plus fancy. Fait que dans le fond, j'ai gardé le top que j'avais dans l'intro de ma vidéo qui venait de chez Artia. Avec ça, j'ai juste une brassière en dentelle de chez La Dent Rose que j'aime vraiment beaucoup. Puis dans le fond, mon veston comme ça, il vient de chez Dynamite. Puis je pense que je vais beaucoup, beaucoup porter cet automne en fait. Fait que I'm really excited. Puis j'ai ces pantalons-là de chez Zara. Puis je suis juste tombée en amour avec ces pantalons-là parce que c'est juste un basic à avoir, je trouve, sa garde-robe. Je vais vous montrer dans le miroir. C'est comme des petits pantalons un petit peu loose. Bref, je pense que c'est vraiment un basic à avoir pour la saison. Ils sont pas comme noirs, ils sont plus comme... bleu marine-ish. Puis j'ai mis dans le fond juste mes Nike Air Force One qui sont super pratiques. Et mon petit colis, il vient de chez Pilgrim Canada. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'ai mis une petite bague de chez Mejuri. Mais yeah, je vais vous montrer mon second look for a coffee date. J'ai bien réalisé que j'avais même pas fini mon look. Ça me prend genre un sac pour emmener mon ordi or something, right? J'ai ce nouveau sac que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de chez... Oaken Fort. Mais si vous êtes comme moi, il y a fancy, il y a toujours un petit sac qui est utilisable comme ça, qui est vraiment hot de chez Frank Yadon, que j'aime beaucoup. Fait que ça, c'est un autre de mes favorites aussi en ce moment. Je lance une boule de neige, actually, but... J'ai toujours les mêmes pantalons de chez Zara et mes Nike Air Force One. Mais en fait, c'est juste pas mon premier choix parce que j'ai toujours tendance à me faire des taches sur les vêtements. Ça serait peut-être pas la meilleure option. Fait que ça serait the second look. Fait que tu sais, c'est un petit peu plus relax et confortable, mettons. Puis j'ai quand même rajouté un petit peu something fun, un petit peu un petit earring. Je pense que j'ai acheté ça chez Pharmaprix. Donc, mes earrings, honnêtement, j'y trouve à n'importe quel endroit. Ça peut être au Dynamite, Pilgrim, Mejuri. C'est pas mal dans mes spots, mais ça change. Comme des fois, c'est Pharmaprix, donc. Fait que voilà, puis c'est ça. Je mettrais ça. Mon petit sac de chez. Oaken Fort, and voilà le look. Coffee date with yourself. J'ai pas trop d'énergie, voyons. Alors, pour la troisième thématique de la journée, un cours de 3 heures sur Zoom. Very exciting. So. Basically, mes pyjamas. Non, on va faire une certaine attention à notre outfit pour cette vidéo. Mais un cours de 3 heures sur Zoom, assis sur une chaise. Là, je sais pas s'ils vont nous obliger à ouvrir notre caméra, probablement, en tout cas. Mais comme, il va falloir try a little bit, or not. Vous êtes pas obligés. Est-ce que ça va être mon outfit de sweatpants? Il y a des chances que oui. Yo, legit, si je porterais tout ça ensemble, j'aurais vraiment l'air d'une boule de neige. En fait, c'est comme si but cute. Fait que j'ai mis le bodysuit. Je sais pas si pour tout le monde, les bodysuits, c'est l'affaire la plus qu'on faut. Mais pour moi, c'est comme si and cute. Donc,
ça vient de chez Zara. Puis mon pantalon petit jogging blanc de chez Garage que je vous recommande vraiment parce que c'est super comfy et super pratique. Bon, évidemment, c'est Zoom University, donc clairement que je vais pas mettre de souliers for that. J'ai décidé d'accessoiriser un petit peu parce que pourquoi pas. Fait que j'ai juste mis ces boucles d'oreilles-là de chez Mejuri et mon cahier préf du moment qui est celui de chez Création Fière Vidéo que j'ai déjà montré dans un vlog. Mais dans le fond, c'est juste comme une petite paire avec la lettre J. C'est une création du Québec, donc je mets ça dans la description si vous voulez en avoir un comme un peu comme moi. Mais bref, c'est le fun d'encourager un petit peu nos marques d'ici. Puis mon collier, pas mon collier, mais j'ai un petit bracelet de chez Pilgrim. Donc voilà, et la bague encore une fois de chez Mejuri, que j'ai comme oublié de changer en fait. Bah yeah! J'aurais peut-être montré un autre outfit, parce que pourquoi pas. Je reporte les vêtements. But you know, c'était vrai aussi. Bref, if you feel like dressing up un petit peu plus pour Zoom University, that would be a look. Mon chandail, il vient juste de chez Garage, puis c'était un petit peu froid, comme moi, la majorité du temps. Ce chandail est vraiment bien. Puis, dans le fond, j'ai juste pair this avec mes pantalons de chez Zara, et évidemment, pas de souliers. Next thématique, nous avons un meeting sur Zoom. Dans le fond, moi, ça veut juste dire, dans le fond, si c'est comme un meeting ou, mettons, si vous travaillez de la maison, partir un meeting d'équipe, un meeting que, tu sais, comme, faudrait que tu te forces un peu, mettons, comme pour vrai, genre, je sais pas, honnêtement. Je suis en train de me forcer live. Look at this. Look at this. On dirait que c'est comme my first day back to school outfit, mais comme from home. This is so sad. But this is my look pour un petit fancy meeting sur Zoom. Un veston, toujours nice. Puis dans le fond, j'ai pair this avec ces petites camisoles de chez Arctic qui sont super pratiques, vraiment nice parce que c'est comme un basic, but they look fancy at the same time. Ça a comme un look automne, mais pas trop hiver en même temps. Je vois toujours pas la raison pourquoi je devrais mettre des souliers, donc voilà. Mais j'aime vraiment ça, moi, ce look. Je pense que genre j'avais jamais pair everything together, puis je pense que c'est vraiment cute. Encore une fois, les mêmes joues, le collier de chez Création Fière Vidéo, et j'ai mis aussi une bague de chez Mejuri comme ça. Puis j'ai pas mis de earrings en fait parce que je me suis avec le veston, ça parlait déjà de, tu sais, je pense pas que j'avais besoin de rajouter des boucles d'oreilles, mais actually je vais faire un autre look avec comme des boucles d'oreilles, so vous allez voir. So, je trouvais ça que c'était quand même cute et confortable parce que ces jeans-là, j'aime vraiment beaucoup. C'est eux de chez Frank & Oak. Puis j'adore les petits tops comme ça, comme fancy quand même un peu, qui ont un petit quelque chose. Extrêmement fancy, comme vous pouvez voir. Yeah. J'ai essayé de pas mettre de collier en fait parce que je trouvais que justement avec les hoops, je voulais pas trop non plus mettre de trucs, fait que je trouvais que ça l'ajoutait un petit quelque chose de plus fancy, but that is it. Alors, nous sommes rendus à la dernière thématique et pour être honnête, well, je sais un petit peu c'est quoi parce que c'est moi qui ai fait les cartons. Journée d'études at home, donc en fait ça ressemble pas mal beaucoup, je pense, dans ma tête à, mettons, si j'avais un cours sur Zoom. Bon. J'avoue que honnêtement, probablement que je resterais probablement en pyjama. Tu sais, quand je disais que je portais mes pyjamas, it was not a joke. Mais, that is so comfy though. Fait que le top vient de chez Garage, vraiment des nice basic tops. Puis ce nice pantalon que j'adore, je sais pas pourquoi, vient de chez Old Navy. Et oui. Mais tu sais, on va être honnête là, ce semestre-ci d'école ne va pas être super fashionable, but honnêtement, cette vidéo, j'aurais pu vous donner plus d'idées d'outfit, mais je voulais en même temps que ça soit accurate à ma vie. Puis ma vie est que ce prochain semestre d'école va se passer à la maison pour moi. Donc inquiétez-vous pas d'eau, c'est sûr que je vais faire plein de vlogs and
videos and all that, mais c'est ça. Ouais, ben tant qu'on est ici, en fait, je voulais passer un petit message. Depuis longtemps, en fait, je pose pas toujours à chaque semaine, mais vous avez pu voir que depuis les derniers mois, il y a des semaines que je pose pas de vidéos. Puis en fait, pour moi, c'est vraiment plus simple comme relation avec YouTube. En fait, mon but, c'est de poster quand j'ai le goût de poster, puis ça se peut que ça arrive que je pose deux dimanches de suite, ou ça se peut que je pose pas pendant trois semaines, mais c'est ça. Je veux garder mon expérience avec YouTube, le fun et passionnante et tout ça, parce que vous savez que j'aime vraiment beaucoup faire des vidéos. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'était genre super simple, mais en tout cas, suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir plus de contenu d'outfit ou peu importe. Donc on va se voir dans une prochaine vidéo. Ciao!